Hey, salut les mecs, j'espère que vous allez tous très bien. Regarde où je me trouve, juste devant le Juventus Stadium, l'Allianz Stadium. Oh là, c'est magnifique, on est là pour vivre une journée exceptionnelle puisque comme vous le savez maintenant, la Juventus est partenaire officiel et exclusive avec PES 2020. Et donc on a été invité par Konami France, que je remercie, à assister à cette journée de présentation. Il y a plein de choses qui vont se dérouler, on va déjà avoir droit à une conférence de presse de Konami et de la Juventus. Ensuite, on va pouvoir jouer au jeu version Juventus. Et ensuite, normalement, on va visiter le stade, le musée, etc. Donc, je vous invite à me suivre pour cette journée magnifique. Comme vous le voyez, j'ai mis ce sublime maillot de la Juventus. Normalement, il y aura de la légende. Je ne sais pas s'il y aura du joueur. En tout cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, on est parti pour cette journée exceptionnelle, les mecs! Yo les mecs, donc on vient d'assister à la présentation du nouveau partenariat à la Juventus, donc bien sûr, qui intègre PES 2020, mais en exclusivité, c'est-à-dire que vous ne le retrouverez plus sur le jeu concurrent, et ça c'est vraiment un truc de malade. Et c'est donc Pjanic qui a été choisi pour être l'ambassadeur. Je vous avoue que ce matin dans l'avion, on a fait quelques paris, certains pensaient que ça allait être Moiskin, peut-être Bentancur vu qu'ils sont jeunes, et finalement non, c'est l'ancien Lyonnais Miralem Pjanic qui sera donc l'ambassadeur pour la Juventus, et ça c'est vraiment un truc de malade. Nedved quant à lui sera l'ambassadeur en tant que légende, et on a eu la chance de croiser Camoranesi. Il est venu même faire un match avec Lotfi, Ousma Kabil et Razak, un youtubeur FIFA. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et j'ai même eu la chance de me faire dédicacer deux maillots de la Juve. Vous savez que je suis fan de la Juve avec Arsenal. Hein, voilà, vous savez, mes deux équipes préférées. Et donc vraiment, c'est un truc de malade, les amis. Pour l'instant, il y a des sessions de jeu. Regardez, ça se passe juste là-bas. Il y a Sofiane, il y a Julien Chaise, il y a Joël, il y a Exomadara, il y a Monsieur Quinton. Il y a du beau monde et donc on va aller tester le jeu et ensuite on ira visiter le stade, visiter le musée, bien sûr, ce sera tout en images. A tout à l'heure les mecs. Oh monsieur Joël, ça donne quoi? Non, ça, c'est les premières minutes du match là. C'est vrai, chauffe-toi, après je viens de prendre. On attend votre avis sur votre chaîne. Écoute, j'ai mis les deux premiers buts, ça s'est très bien passé. Et je kiffe. Ah ouais, t'étais tout seul, Contre la machina. Ah oui. Contre la machina. Tu joues? Ouais. Et on a Sofiane le geek et Exomadara de dos, qu'on ne verra pas. On verra de dos, c'est l'homme mystère. Juste avant, on a ici Monsieur Quinton et Julien Chiez. Et on a de l'autre côté, juste à côté, Exomadara et Sofiane qui sont en train de s'affronter donc avec la version Juventus de PES 2020. Donc on va être nombreux à vous donner nos avis, mais ça c'est plutôt cool. Donc on a 4 youtubeurs qui sont regroupés. On va regarder un petit peu les scores. Pour l'instant, il y a 1-0. Qui c'est qui vient de marquer les gars? C'est Exo.
Ah, Exo qui a gagné, qui a battu Sofiane 1-0. Comme quoi, Sofiane, même de sur le 2020, il a pas de niveau. Et là, on a Monsieur Quinton et Julien Chies. Pour l'instant, il y a toujours 0-0 à la mi-temps, les gars. Aïe, forcément, qui dit nouveau partenaire, bah dit nouvelle modélisation du stade. Et ce magnifique stade de la Juve a été bien sûr scanné entièrement de haut en bas, de la pelouse au gradin. Et franchement, il règne une atmosphère vraiment énorme. On est ici sur une petite terrasse qui surplombe l'entrée des joueurs qui est juste en dessous. Avec ce stade, je vois déjà les joueurs jouer là devant moi. Malheureusement, bah, il n'y en a pas, il y a quelques pigeons sur la pelouse. C'est vraiment sublime. Voilà, donc tu fais tout ça, là. 3-0, c'est 3-0. C'est pas un pas de famille. Direct la loge. Une petite réaction, hein, monsieur Sébastien. On a eu un rage quit en direct. Allez les amis, regardez où on se retrouve, dans le vestiaire de la Juventus, carrément, devant Monsieur Batty. Hi, yes, the God. Et du coup, on est dans le vestiaire de la Juventus. Ah là, c'est magnifique, ça fait mal. Ah, Ronaldo et Dybala, oh là là, Ronaldo et Dybala, juste derrière. Normalement, c'est ma place, bon là, je vais leur laisser. T'as pensé de cette petite journée pour l'instant hein? C'est lourd. Lourd. Tel partenariat, le PES est bien. Énorme. Ouais, moi j'ai kiffé. Ouais. En plus, c'est un gros coup quand même. C'est énorme. C'est et un surtout que. Retirer une licence comme ça. Ouais, retirer une licence voilà, à un certain haut de jeu. Ouais. À mon avis, ils vont pleurer. Il y en a, tu sais, sur Twitter, il y en a, ils croient pas. Toi, tu fais embrouiller. Mais tu sais que. Ils ont viennent de confirmer Yesport. Ah, Yesport, ils ont confirmé. Confirmé qu'il va s'appeler Piémonté, Calcio, comme ça. Non. Oh là là, et les mecs sur FIFA, vous allez jouer avec de la Piémontaise. Ouais, ils vont jouer à la Piémontaise. Attention, les licences vont arriver. Aïe, aïe, aïe. Attention. Et nous aussi, on arrive sur PES. Rejoignez PES. Allez, revenez. Les licences arrivent. Voilà. Là, il n'y a plus d'excuses. Exactement. Les licences arrivent. Bon, bah, les amis, si vous voulez que je fasse une conférence, interview avec les journalistes, c'est ici. Le panneau de pub est juste derrière. Et bien sûr, après, bah, il y a la zone d'interview. Donc, les journalistes, bien sûr, côté gauche. Et les joueurs qui passent côté droit, avec bien sûr tout le panneau pub sur la droite. Le plus beau maillot? Le plus beau maillot, bah, dans mon cœur, c'est Del Piero. Hein. Après, il y a Nedved, il n'y a que des légendes là. Voilà, du beau monde. Voilà, tout le monde. Ah, et le Nedved tient là-bas, en rouge, c'est pas bien sûr.
semaine les amis. Cette journée est maintenant terminée, journée très fatigante puisqu'on s'est levé quand même à 4h30 et on va rentrer sur Paris à minuit. Après bon, le temps de rentrer, bref, mais on va pas se plaindre parce que franchement on a passé une journée extraordinaire dans un des meilleurs clubs du monde. Merci vraiment à Konami, je regrette pas de donner autant de temps à ce jeu que j'aime, PES. Et donc les amis, je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Luthor en direct du Juventus Stadium. Ciao les mecs.